Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous prends directement sur l'écran d'accueil de ma Switch. Il y a une démo de Kirby qui vient de popper de nulle part. Il est 16h48 et je viens de voir l'info sur Twitter. On va la découvrir ensemble. J'ai absolument rien vu. J'ai téléchargé la démo qui était assez rapide, donc je sais pas si c'est bien ou pas bien, je sais pas si c'est la fibre ou si c'est parce que c'est vraiment court, mais on va découvrir ça en direct ensemble. J'espère que c'est bien. C'est le jeu que j'attends le plus sur ce mois de mars, vraiment. La première fois qu'on a vu des images, j'étais trop hypée. Ah oui, donc déjà, donc la démo, elle propose déjà la coop. Ok, bah non. Bon, je joue en solo. Un mode de jeu accessible à tous, dispose d'une grande part de santé, d'accord. Un mode de jeu plus difficile. Ouais, non, on va prendre le mode facile, hein. Je sais pas du tout si c'est un jeu facile ou pas, donc. Oh, c'est joli, hein. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, j'imagine que, bah oui, c'est la cinématique d'intro. J'ai vu que Nintendo France avait publié la bande-annonce sur YouTube cet après-midi. Il nous spoil un peu le début de l'histoire. Il va se faire aspirer, voilà, dans un monde. Bah, c'est le monde oublié du coup. Il y avait la bande-annonce vraiment avec l'AVF et tout. On voyait cette scène où il se fait aspirer comme ça. Ouais, au début cet après-midi, je joue tout YouTube et j'ai dit, bon, je vois, il y avait EMB et Carole Quintaine, je me suis dit, bon, ils ont peut-être eu le jeu en avance et puis l'embargo est levé et c'est leur test. Non, non, après ils disaient, non, c'est la démo, je fais quoi? La démo de quoi? J'ai sauté sur la Switch et je dis, je veux absolument voir ça. Ah bah donc ça, c'est l'image quand il est échoué sur la plage qu'on a vue, c'est là, je crois que c'est la première image qu'on a vue de Kirby, bah c'était pas, non, c'était quoi, Nintendo Direct ou les trois, je sais plus. Voilà, on voyait ça là, l'image quand il arrive dans l'espèce de jungle tropicale. Donc on a la barre de vie, on a les pièces, ok, et on démarre comme ça là? Ah ouais, d'accord, on démarre genre en mode. D'accord, la scène d'intro elle dure 10 secondes là, et on débarque comme ça. On peut aller dans l'eau ou pas? On peut changer. Non, on peut pas changer la caméra. Donc là il aspire, donc c'est B sur le contrôleur. J'essaie tous les boutons, hein. Donc A, c'est le saut. X, il n'y a rien. Les gâchettes. Si, les gâchettes, il fait quelque chose, mais j'ai pas vu. Oui, il se protège. Donc Z, R, Z, L, il se protège. Et L et R, c'est pareil. Ok. Et joystick, non. Déplacement, ok. Et la caméra. Alors, pas à 360 degrés. On peut interagir, là? Ah ouais, d'accord. J'ai bouffé un crabe. Oh, c'est beau, hein. Franchement, j'ai trop hâte d'y jouer. D'ailleurs, j'ai déjà pris co. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aspiré un. Ah oui, donc on peut aspirer tout le décor. J'aspire un coquillage. Il s'épuise ou pas? Non, il n'y a pas de. Ok, il n'y a pas de barre d'épuisement. Et là, est-ce qu'on peut bouger? Non, on peut pas bouger la caméra. Ok. Donc là, c'est vraiment scripté. Non, j'ai même pas interagi. Ça se trouve, on peut bouffer des trucs. Ah! J'ai mangé un truc. Ah oui, donc c'est. Il a bouffé. Ah d'accord, j'ai mangé une pierre et c'est du coup c'est un projectile. Je suis en train de m'extasier sur la scène d'intro. Sauter. Ah bah c'est le tuto. C'est quoi ça? Pourquoi ça brille? Ok, c'est des pièces cachées. Ça fait trop bizarre l'ambiance, il n'y a pas du tout de musique. C'est qui c'est? Aspirer. Ah oui, d'accord, ok. Il y a le tuto en bas, je regarde même pas. J'ai bouffé un truc. Je crois que c'est une pierre. Ouais. Donc ouais, quand on mange une pierre, ça fait une attaque.
Mais moi je veux pas aller là, là. On peut pas aller là, on peut pas. Ah d'accord, on nous valide le tuto, d'accord. Non mais c'est pour les 2 ans et demi ou quoi là? Est-ce qu'on peut... Ah, il y a un secret déjà là. Ah, il vole, ok. Quand on reste appuyé sur A, il s'envole. Avec une jauge d'épuisement quand même. Ok. Bon, on va peut-être pas non plus rester 1000 ans dans le tuto. Non, mais je pense que là, si je tombe, je vais mourir. Vas-y. Ah, bon. Ah mince. Moi, je crois que c'était le tuto. Je me suis dit, vas-y, il va m'apprendre des trucs. Non, on m'agresse dès le début. C'est quoi la cerise? C'est pour restaurer les PV, j'imagine? Ah, la caméra comme ça, vraiment... au ras du sol, c'est super sympa. Ah, y a... On est dans la jungle, mais il y a un... Il y a un lampadaire, tout va bien. Je suis sûre qu'il y a des secrets, là. Non. Non, je pense que vraiment, le début, il est scripté, ça doit être... Voilà, il y a la musique qui part, je suis sûre qu'on va voir le titre en gros, le son gros comme une maison. Ça va marquer, genre, Kirby et le monde oublié, non? Non, même pas? Ah d'accord, le jeu me fait mentir. Moi, je regarde les décors. Hein. C'est vraiment le truc apocalyptique. Genre, les lignes haute tension, là, avec la végétation qui a repris ses droits sur les immeubles et tout. C'est super stylé. Je crois qu'il sort le 25 mars, hein, si je me trompe pas. Donc ouais, dans à peu près 20 jours. Aspirer, mais je sais aspirer. C'est pas comme si je le faisais depuis 10 minutes. Ah, donc maintenant on a le pouvoir. Très bien. On va couper des arbres. Non, ça marche pas. Est-ce qu'on peut couper de l'herbe ou pas? Ah oui, on peut couper de l'herbe. Génial. Ok, tu es méchant ou toi? Ou tu es un... Non, 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 donc non. Ah, mais on démarre comme ça, quoi. Genre... Oula, oula, oula. J'ai gagné quoi? Ah, j'ai gagné des pièces. Des canettes. Bon, moi, je vais vouloir tout couper. Hein. Je vais passer mon temps à tout couper. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand on fait rien ou pas? Est-ce qu'il se met sur... Il s'assoit pas sur le banc? Non, rien. Ok. Non, c'est vraiment... Il y a toutes les flèches. Ouais, c'est encore le tuto, là. Flotter, bah oui. Donc ça, je l'ai appris toute seule. Merci. Il est trop mignon. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça doit être un soin? Peut-être une potion, je sais pas. On m'a pas dit ce que c'était... Non mais j'adore même le mur là avec les fenêtres et tout et le lierre. Là vous entendez, c'est... Je sais pas si ça s'entendra à la vidéo, mais je la filme brut hein, cette vidéo. C'est mon lave-vaisselle qui vient de s'éteindre et elle a fait un bruit pas possible. Ah mince. Ah mince, je viens de tuer un ennemi important, je pense qu'il faut le laisser en vie pour. Ah non! Je pensais qu'il fallait genre envoyer les bombes pour casser des trucs. Parce que comme ça respawn à l'infini. Non mais. Vas-y, va-t'en. Par contre la caméra comme ça là, ouah, c'est perturbant. Pourquoi ça se met pas. Pourquoi ça reste en vision en vue au-dessus là? Non mais il jette pas des bombes juste pour le fun aussi.
Je pensais qu'il y avait, faut les récupérer pour débloquer un truc. Ah oui, donc ok. Oh ouais, c'est la caméra qui est pas libre, c'est perturbant par contre. Des carottes. À mon avis, oui, c'est pour restaurer l'énergie, ça. Je pense que personne ne meurt pendant le tuto quand même. Parce que là, il se passe pas grand chose. J'aime vraiment l'ambiance végétation avec les ruines, un peu genre là, c'est des vieux pneus. Là, il y a une espèce de casse là derrière. Donc là, c'est pas genre le centre commercial, ça, qu'on va... C'est pas la... Si, c'est ça, je crois. Ah, la fameuse voiture. Donc on a le pouvoir dès le début, comme ça? Ah non. Ah non, c'est la cinématique, ça. Ok. Ça, on l'a vu, hein, dans la bande-annonce. Oh, c'est trop beau! Non, on débloque ce pouvoir dès le début, réellement. Ah non, d'accord. Ah si. Ah d'accord, ok. Bon, ça va, en fait, les espèces de transformations, là, je sais plus comment ils avaient appelé ça. J'allais dire chapimorphose, non, ça c'est dans Mario Odyssey. Donc, ok, on l'a dès le début, ce truc. Bon, c'est bien. Enfin, c'est bien. Parce que je me suis dit, wow, s'ils nous spoilent ça alors que c'est genre vers la fin du jeu, c'est dommage. Donc c'est le début. C'est comme dans Mario Odyssey, on avait le Tyrannosaure dans la bande-annonce, et ça va, c'est dans le premier monde de Mario, donc ça spoilait sans spoiler. Ah, en fait, non, on est dans un garage, je pense. Parce que là, il y a genre les bidons d'huile. Là, il y a les jantes et tout, avec les pneus. Oui, ça doit être un... Oui, c'est un garage. Mais c'est excellent. Moi, je veux passer... Non, mais réellement, hein. Je pense, je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je vais passer mon temps à regarder le décor. Hein. On va casser le garage, là. On peut interagir avec tout, là. Ah ouais, on peut vraiment... Bon, je vais tout péter, hein, si on peut récupérer des pièces. Bon, ça, c'est vraiment... Ah, donc là, à mon avis, c'est la suite, parce que... Va falloir défoncer le mur, je le vois gros comme une maison. Faut prendre son élan et il va falloir tout péter. Voilà, accélérer. Non mais... Non mais le jeu, il me donne les tutos alors qu'on a déjà vu les trucs. Mais c'est super intelligent, ça. Donc on prend l'accélération, on va se mettre centré. Et on défonce. Les petits effets cinématiques de transition, c'est excellent. Et on peut pas retourner du coup, ok d'accord. Mais il y a quoi là? Ah, la caméra par contre, waouh, ça me perturbe. Ah non, ok d'accord, il y a un mur. C'est le tuto pour la voiture, j'imagine. D'accord, alors là franchement... Il y a des secrets, ok, d'accord, comme ça, mais je l'ai fait machinalement sans vouloir faire ça. Hein. Mais elle a une jauge d'endurance, peut-être, la voiture, quand même, non? Non, mais je loupe tout, là. Je suis en train de faire n'importe quoi, là. C'est toujours le tuto, je fais n'importe quoi. Mais je suis sûr qu'il y a des secrets, là. Non? Non. On n'a pas de jauge de vie avec la voiture, donc j'ai l'impression. Excellent. Bon, déjà là, hop, s'ils nous font monter, je suis sûr qu'il y a un truc dessous. Nintendo, on vous connaît, hein. Y a rien, là? Et franchement, j'étais persuadé que dans la maison, il y allait avoir un secret, hein. Là, en bas, là, non? Non. J'essaye de trouver des trucs où il n'y a rien du tout. Ah oui, d'accord, c'était de la thune. C'est ça l'image qu'on a vue. C'est quand on passe le pont comme ça, là.
suis sûre qu'il va y avoir un truc là. Genre le boss de fin ou je sais pas quoi, non? Oh non, même pas. On a toujours pas vu le titre du film, du jeu. Hein. Donc c'est bizarre, on dirait que l'intro, le tuto, ça dure 1000 ans là. C'est marqué quoi? Expulsé? Ah d'accord, ok. Mais on peut pas... Abandon quoi? Abandon quoi? Ce... Non, 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 non. J'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Par contre, les transformations, toutes les... Là, par contre, ils auraient pu skipper un petit peu. Une fois qu'on a découvert la transformation... Ah non, 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 j'ai voulu faire un truc que le jeu ne veut pas. Je voulais aller avec la voiture ici, moi. Les phases vraiment où il n'y a plus la musique, ça plonge vraiment dans l'ambiance vraiment du monde perdu, quoi. Ça aussi, on l'a vu hein, dans les trailers. Ils sont capturés, voilà. On l'avait vu, ça. Je mets genre, on va se taper un combat dès le début, là? Ah oui. Non, je veux pas... Ah non, j'allais dire, je veux pas y aller. Non, non, mais je veux pas mourir dès le début, s'il vous plaît. J'étais en train de dire, ouah, ça lag. Non, c'était la fin de l'animation, ok. Tu m'as sauvé, je t'en remercie, mais de rien. Mais que vont devenir les autres? Les Waddle-Dee ont tous été capturés et emmenés je ne sais où. Nous avons combattu ces bêtes aussi vaillamment qu'on a pu, mais il en arrivait toujours d'autres. Maintenant, je suis le seul rescapé. Il faut que j'aille les sauver, je n'ai pas le choix. Ouais, donc on va s'associer à lui. Quoi, tu m'as aidé à sauver? Tu vas m'aider à sauver tout le monde, mais c'est formidable. Bah oui, en fait, on va faire tout le boulot, hein, on n'est pas bêtes. Hein. Et ça, c'est, je suis sûre que ça, c'est les... Les étoiles pour parcourir les différents mondes. Je le vois gros comme une maison, parce que dans la bande-annonce, c'était ça. On le voyait donc sur son étoile, avec à survoler la bas-monde. Je suis sûre que c'est ça. Tu t'appelles Kirby, c'est ça? Ouais. Et quoi, Elfiline? Ravi de faire ta connaissance. On peut te frapper. Oui, on peut te frapper. Non mais ça va nous téléporter dans les mondes, ça. C'est sûr et certain. Il n'y a pas des secrets, je suis sûr qu'il y a des secrets là. Est-ce qu'on peut aller? Non, il y a un mur invisible, ok. Bon. Ah donc ça c'est l'intro, ok. Et ça c'est évidemment le premier monde. Ouais, c'est vraiment facile. Par contre, je sais pas si ça prend la progression quand on va acheter le jeu. Est-ce que ça, la démo garde la sauvegarde? Enfin, la progression. Parce que là, du coup, je l'ai fait en mode facile. Je le ferai peut-être quand même en mode normal quand j'aurai le jeu.
Donc là, c'est le premier monde. C'est, je sais pas quoi, ça y est, ma mémoire elle est déjà partie. Il y avait le nom du plein urbain, hein, je crois que c'est ça. Non! Attends, mais laisse-moi explorer. Les gens, on n'a même pas le temps d'arriver, ils nous sautent dessus. Ah mince, j'aurais dû le cracher sur lui. Je croyais qu'il y avait un secret avec le champignon. Non, c'est que le décor. Là, c'est joli, mais sur le côté, là où il y a les plaines là, avec les fleurs et les arbres, c'est marrant, c'est une autre direction artistique. Hein. C'est vraiment plus flou, pastel. Ah, il y a des missions. Faites s'épanouir 5 tulipes, 1 sur 5. Ah, il y a des mini-missions dans le monde, ok. Alors comme un petit succès secondaire à faire, ok. Alors ça c'est clairement, je le sens déjà, ce genre de truc, ça va être pour rallonger la durée de vie du jeu. Sûr, il va y avoir des missions à débloquer au fur et à mesure. Oh, les canettes de coca là, c'est comme dans la vraie vie, hein. On a partout par terre. Il est fort lui. Non, c'est pas. C'est un pouvoir ça, non? Ouais, c'est un pouvoir. Ça débloque quoi? Ah, c'est boomerang, ok. Donc, il y a différentes pièces, jaune, vert, rouge. Je crois que rouge, c'est pas mal. J'étais en train de me dire, non, mais je sais pas viser. C'est quoi? C'est un gâteau? C'est pour restaurer les PV, j'imagine. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de vie, il n'y a pas d'icône avec un nombre de vie ou quoi. Après, je suis en mode facile, donc peut-être qu'en mode facile, comme il y a moins de dégâts, je peux transformer, mince. Ah non, j'ai cru que c'était les cartons. Donc, le distributeur. C'est assez instinctif, hein, les... Intuitif, les transformations. On peut pas monter, là. Ah, on crache des canettes. Ok, par contre, c'est limité. J'aurais dû les garder pour... Oui, bah voilà. J'aurais dû les garder pour eux, là. Il faut se recharger ou pas? Distributeur, quoi? Transmorphé. Ah, c'est dur à dire. Ah si, j'ai pris des réserves. Les carottes, j'ai toujours pas compris ce que c'était, les carottes. Bah là, il y a un secret, mais c'est la suite ou pas? Mais c'est excellent, franchement, je kiffe. Ah oui, donc, faut sortir de la transformation. Mince, comment on vole? Mince, je sais plus. Non. Ah oui, donc c'est deux fois sur... Ah, j'ai pas encore le coup de main. Non. Mince, à chaque fois, je me trompe de touche et je supprime le pouvoir. On dirait les trucs des Kinder Surprise, là. C'est quoi, c'est un... Ah, mais c'est pas... Je l'ai vu dans la bande-annonce. Ça, c'est pas comme des figurines à collectionner. Je crois que c'est ça. Comme les gachapons, là, au Japon. Donc, à mon avis, comme il était dans un truc caché, ça va être des... Ça va être des... Comment ? Des petits bonus à récolter au cours des niveaux, sûr et certain. Ah mince, on peut pas... Non, ouais, donc non, c'était vraiment ça. Parce que là, on peut plus le... On peut pas l'emmener ici, donc c'était vraiment pour le gachapon. Non, mais... Non? Non? Non, mais il descend pas, quand même. Ah si, il descend! Ah, mais je vais me faire tuer.
Il est où? Il est où? J'ai perdu mon truc boomerang là. Il est parti le taureau là? Hein? Mince. J'aurais pas dû. Mais comment on grimpe? Il y a un truc en haut là. Là, il y a une pièce bleue. J'ai perdu ma transformation boomerang, dommage. Il est parti l'autre là? Oui, il est parti. Ah donc là, on va dans un autre monde. Ah ouais, d'accord. Non, 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 non. Mais c'est des tout petits mondes en fait. Mais là, c'est pas juste de décor, ça, si? Est-ce qu'il y a un... Mince. Il y a un mur invisible, là? Ah oui, il y a un mur invisible, ok. Je pensais que les buildings, là, derrière, on allait pouvoir les explorer. Mais non, non, il y a un mur invisible. Passer. Non, on va pas passer. Ah, donc, point de contrôle. Ok. Non, on est toujours dans le même monde, mais il y a des phases où on se déplace avec l'étoile, ok. Mais ça va être immense. On peut aller là, là? Non, on peut pas. On a pas mal de transformations. Sympa. Il explose jamais ce truc. J'ai le pire timing ever. Ah mais il lance des... D'accord, ok. Je pensais qu'il y avait une jauge de recharge ou quoi. Non, non, on peut spammer les bombes. Ah mince, ça faut pas que je le casse, c'est une transformation là, le cône de travaux. Non, ah mais... Ah donc plus on a... Ah non, je pensais que plus on appuyait longtemps, plus la bombe était grosse. Non, c'était le viseur, ok. Non mais merci, j'ai compris qu'il fallait se transformer. Sauter, piquer vers le bas. Oui. Donc il y a des trucs à casser, je pense que ça doit être à casser. Non, ouais. Non mais c'est... Voyons que faut être précis, hein. Non, y a rien, ok. Non. Voilà, va-t'en. Ah bah oui, voilà. Ah, masse bonus. Les cerises, donc c'est ça, hein. Ça restaure la jauge de vie. On peut tomber là? Non, on peut pas tomber. Je veux absolument aller voir le décor. Ah, c'est une tulipe à aspirer, ça. Je sais plus. Oui, voilà. Non. Je voulais aspirer la tulipe. Deux sur cinq. Par contre, il n'y a pas... J'ai fait quoi? J'ai appuyé sur moi, je voulais savoir ce que c'était. Je crois que j'ai fait merder le truc, là. Je voulais voir s'il y avait genre une carte ou une map. Non, ça, donc ça, c'est plus, c'est le menu. Les missions, elles s'affichent là. Pleine urbaine, donc on est dans pleine urbaine. Terminer le stage, c'est pas encore fait, donc. Casser le volet roulant du bâtiment. Sauver, ok. Comment on change? Pourquoi je...
Ah non. On peut pas voir l'émission? Ah non, il faut recommencer. Je suis sûre qu'il faut recommencer. Du coup, bah genre pleine urbaine, il va falloir le recommencer parce que en bas, la dernière mission, c'est point d'interrogation, donc c'est un truc qu'on peut pas faire tout de suite. Amiibo, il y aura les Amiibo compatibles. Ah, et on pourra changer la difficulté, je pense, au cours du niveau. Ok. Non, j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est bon. Pour l'instant, c'est simple. Hein. Honnêtement, bon, je me doute bien que le premier niveau, ça fait office de tuto. Là, voilà, là, faut pas. Là, je pense qu'on a tous compris qu'il fallait faire ça, voilà. C'est quoi, ça va être un geyser pour aller en haut, j'imagine. Oula. Ah non, mais j'ai cru que. D'accord, j'ai cru que c'était une cinématique, bah voilà. Non, mais je l'ai vu gros comme une maison, ça. On sait jouer au jeu Nintendo quand même, hein. Pardon. C'est quoi ça? C'est un truc pour... c'est quoi? On dirait un container. Non mais là je loupe plein de trucs là. Non? Je sais pas si l'échelle là c'est la suite ou si c'était le geyser le bonus. Non, je pense que l'échelle c'est la suite. Je vais me reprendre deux fois le boulet. Non, c'est bon. Il y a un secret là-bas, non? Non. J'essaie de voir des secrets partout, moi. Ah! Ah, comment on fait genre un truc comme une attaque rendez-vous là, non? Faut faire un piqué, non? Ah, ah, c'est le guet-chapon. Donc ouais, donc... ah oui, donc les transformations, là. C'est vraiment pour aller chercher... les gâchapons cachés dans chaque niveau. Bon, je vais me laisser tomber. Les petits trophées, là, je pense qu'on peut les voir que après. Oui, c'est bon, j'ai enfin compris les commandes. Ah, on a le choix. Des bombes ou... le boomerang. Non, je vais prendre le boomerang. Je préfère. Non, je veux pas abandonner le pouvoir. Quoi, quoi? Ah non, c'est B. Moi, j'ose pas, non. Waouh, 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 il y a déjà un boss, quoi. Genre. Ah, ça jaule, ça? C'est une blague? Non mais je suis en facile, c'est une blague. J'ai cru qu'il allait charger. Non, non. Oh là là, je suis en train de me tromper dans les... C'est quoi les... C'est... Pourquoi il y a les étoiles là? Non. Ah non, d'accord, ok, c'est pour genre... pour symboliser... Je suis en train de me tromper entre X et B. Oula, il s'énerve. C'est quoi? C'est la deuxième phase, ça? Et il va charger. Nintendo, je vous connais par cœur. Ah, il est stone. Oui, bah voilà, faut aller bien se prendre. Ah, mais genre, il m'a enlevé mon pouvoir. Ah, bah oui, parce que je me suis pris un coup. Putain, je suis bête. J'ai cru que c'était moi qui l'avais supprimé. Allez! Vous allez voir, je vais mourir au premier boss. Allez, bientôt fini là! Est-ce qu'on peut t'avoir derrière? Ah bah oui, voilà. Oh, c'est facile. Hein. Je me suis pris comme des coups, mais c'est facile. Bon, je suis en mode facile aussi. Hein. Je suis en train de m'extasier, mais bon. En flamme là. J'ai pris le mode noob. Et pourquoi? Non, pourquoi? Mince, j'ai pas eu le temps de l'avaler. Ah, il y en a trois. C'était ça les cages. Mais c'est immense. Donc je pense que la démo c'est que pleine urbaine alors.
On est toujours dans plaine urbaine là. Oui, on est toujours dans le même monde. Mais comment ça j'en ai pas sauvé? J'en ai pas sauvé un tout à l'heure? Ah non, c'était le... Non, c'était pas ça. De la viande. Donc les aliments, donc les fruits, la viande. C'est restauration de PV. Par contre, la musique en boucle, là, ça commence déjà à m'énerver. Je crois que j'étais en train de préférer les phases où il n'y avait aucun bruit. Non, le taureau là, non. Non, j'ai perdu mon truc. J'ai cru que ça l'avait étourdi. Oh, il est bugué. Oh, le débile. Oh, l'IA, elle est buggée. Oh, il a foncé dans les tonneaux là, elle avait deux de cuits. Une courge, ok. C'est quoi ça? C'est censé représenter quoi? Réservoir? Ah, c'est un réservoir, ok. Ouvrir? Hein? Ah! Genre, il y en a un qui est caché comme ça. Mais pourquoi il est... Mais comment... Ah, mais il est pété, lui. Il a même pas de boss, ouais. À point de contrôle, donc c'est un checkpoint quand on les délivre. Je l'ai vu briller le truc. Non, décidément j'arrive pas. Hein. Mais je suis en train de bugger là. Comment il aspire? Il peut pas aspirer quand il a un truc, c'est une blague? Non, mais... Je suis en train de bugger toute seule. Ah mais je croyais que c'était une transformation, mais non, c'est juste un truc à péter en fait, non? Non? Je comprends rien. Ah mais vas-y, mais je me suis pris la tête pour rien là. Je pensais qu'on pouvait se transformer, pas avec le parpaing là, mais avec le réservoir qui était là. Non, je comprenais pas pourquoi il voulait pas se transformer. Le pauvre, l'agression gratuite, il est en train de dormir, je l'ai tué. Non mais va-t'en. C'est en vrai, là, j'adore. Je trouve ça mignon et tout. Le seul bémol, je trouve ça facile. Donc, là, je suis en train de regretter d'avoir pris le mode totalement easy, là. Parce que j'ai l'impression que les ennemis font rien du tout, là. Non, mais va-t'en, là ? Je veux couper ça, voilà. Non. Oh, la tortue, là. Je pense que tu veux... Ah, mais si. Hop. On te libère. Je sais pas si t'es gentil ou pas. Ah non, t'es pas du tout gentil. Je te libère. Bah, j'ai fini, là. Sauvé. J'ai tout sauvé. Les trois. J'espère que c'est pas à la fin de la démo, hein. Parce que sinon, c'est vraiment court. Ah, il y a vraiment plein de secrets dans les décors. Bon, je tente des trucs, hein. Les conteneurs de poubelle, là, franchement, j'y ai cru. Ah, une petite tulipe. Oh, il s'est vraiment caché. Ah ouais, alors si c'est caché comme ça, dès le premier niveau... 3 sur 5, je suis sûr que j'en ai loupé. Parce que là, vous mettez... Voilà, vous le mettez la caméra comme ça, là. Vous éclatez la tortue, là. Vous passez là, la tulipe, vous l'oubliez. Hein. Allez, on se traîne, Kirby. Allez, les vitrines abandonnées. Je suis sûre qu'il y a des easter eggs
sur genre les décors et tout. On dirait le poster, on dirait Among Us. B. Pardon. Allez, vas-y, va dans le vide. Voilà, l'IA. On vous connaît par cœur, Nintendo. Non. Non, mais... Allez, touche, va falloir que je m'y fasse parce que ça fait... Non, mais je voulais récupérer mon truc, là. Non. Je peux y arriver. Il faut déjà que je récupère ça. Mais pardon, pourquoi il a pas voulu récupérer le boomerang? J'ai failli me suicider, hein. Est-ce qu'on peut tomber? Est-ce qu'on peut tomber là? Non, il y a un mur invisible. Oh, grosse tortue. Attends, laisse-moi prendre déjà les bonus, s'il te plaît. Ils viennent nous dire comment faut la battre. Il faut qu'elle bouffe. Ah bah, faut qu'elle mange chape, ça va faire un geyser. Non mais je vois les trucs arriver, mais à 10 km. Le petit gâchapon. C'est un boss, ça, non? Vu comme elle est grosse. Non, c'est même pas un boss. Ah si, c'est... Ok, d'accord. Elle nous libère quand même. Ah bah ils sont tous les trois. Ah, ils se font capturer à chaque fois, mais c'est des noobs. Stage terminé. Ah donc les objectifs. Ah, il me manque une tulipe. Non mais la blague. J'étais sûre. Mais j'étais sûre que j'en ai oublié une, il va falloir leur faire. Record, 280. Ah, et on a du coup les gâchapons, volume 1. Oh, on dirait un ami beau, c'est trop mignon. Comment ça fois 1? C'est-à-dire qu'on peut les avoir en double? Oh non, les vrais trucs. Genre, faut les collectionner, on peut avoir des doublons. Ah, mais je suis sûre que c'est ça en plus. On peut avoir des doublons. Ah, la tortue. Enfin, la tortue, non, mais j'ai depuis tout à l'heure, je dis une tortue, mais c'est peut-être pas une tortue. Si, si, quand même, je pense. Et si, carapace et tout, oui, c'est une tortue. Oh, c'est des niveaux. Ah, mais c'est ouf. Et donc, ça, c'est un boss, j'imagine. Oui, bataille au centre commercial, j'imagine que c'est un boss. Vu la couleur et tout. Est-ce que je fais. Allez, je vous fais une grosse vidéo. Non, non, on reste en mode simple. Je pense que la démo va se terminer là. Ça fera un monde et un boss. J'imagine qu'il n'y a pas plus. Hein. J'ai peur. Ah, le McDo. Je suis sûre il y a des clins d'œil, mais il y a peut-être des refs plus pour les Japonais et qui vont pas nous parler nous. Là, je suis sûre qu'il n'y a pas un secret là dans l'ascenseur. Non. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah. De la pierre. Ah, le fameux escalator qu'on a vu. Donc là, le premier boss, c'est ici. Ah, donc c'est vraiment... Tous les teasers et tout, c'était vraiment dans le premier environnement. Ça, c'est les tables, genre les diners américains, là. Je suis sûr qu'il y a des secrets derrière. Non. Dommage, ils auraient pu mettre des trucs là, je trouve. On a juste des débris. Ok, pourquoi il y a des bananes? Pourquoi il y a une masse de bananes là? Si c'est des PV, j'ai pas envie de les prendre maintenant aussi. Ah non, je suis sûre que c'était ça en plus. J'aurais dû les laisser.
Bon, il est où le boss là? Mais ça se trouve, c'est un niveau. Oh, il est là, à mon avis, là. Il y a là. Ah. Il y a des pouvoirs. C'est quoi ça? C'est quoi le truc, le diamant là? Mais j'ai l'impression que c'est un autre monde là. Parce que je m'attendais à voir une arène directement. Ah, mais il est là. C'est lui là. Oh, c'est un gouris. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des bananes. Je vais bouffer ces bananes. Ah, c'est excellent les cinématiques. Ah, faut se débattre. Oui, je spam le joystick. Oh, il est trop mignon. Attends, je fais une miniature pour YouTube. Je me suis pris une balle. Non, mais on n'a pas de pouvoir, là. C'est une blague. Est-ce qu'il faut qu'il pète le... Non, non, mais je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. J'ai pas de pouvoir, j'ai rien. Sans deck. Elle est où la vitrine où il y avait les armes là? J'aurais dû prendre peut-être, non? Non mais qui quoi? Oui bah merci, expliquez-moi comment on le bat, merci. Mais... Ah d'accord. Si tu n'as pas de pouvoir ici. Ouais bah j'ai pas de pouvoir, ouais merci ouais. Mais comment ça se fait que j'arrive tout nul là devant lui là? Pourquoi j'ai pas de j'ai rien du tout pour me défendre? C'est une blague? Non mais c'est ça le premier boss, mais je vais jamais y arriver. Mais c'est quand tu veux pour aspirer hein. Non mais on va pas se battre comme ça, c'est ridicule. Ah si, ça lui a enlevé de la vie. Ah bah ça va être long hein. Mon dieu que ça va être long. Je suis trop loin. Trop loin. Non mais... Ça va, je pensais qu'il allait être beaucoup plus dur que ça. Mais pourquoi il a pas craché l'étoile? Allez, prends ça. J'ai visé n'importe comment. Je fais quoi? Je fais la moitié. Bah, il va y avoir une deuxième phase là, non? Parce que si c'est que sa jauge de vie là, ça va. Non mais... Je veux gober les trucs et Kirby il s'envole. Ah il s'énerve là. Ah ça va être une autre phase. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais c'est pété là! C'est pété! Ouais vas-y, étourdis-toi. Comme ça, le spam. Oula, oula, je m'en vais. Ah, là par contre, là c'est pété là. Les ondes de choc, là... J'étais en train de voler tranquille. Et premier boss, je trouve qu'il est stylé hein. Là, je sais pas comment on peut l'esquiver parce qu'il va... Oui, il va... C'est impossible, il y a le mur invisible, là. Mince. Faut que j'arrête de faire le vol plané quand il est... Quand il... Le problème de Kirby, c'est que... Bah, je pense que je l'ai tué. Stylé. Le problème, quand il aspire de l'air, il reste trop longtemps en l'air. Je sais qu'il y a une touche pour lui faire cracher l'air et retomber tout d'un coup, mais... Merci d'avoir... Ah, c'est bon, j'ai fini. Pour vous récompenser, j'étais en train de regarder mon capture en même temps, j'ai même pas regardé l'écran. Merci d'avoir joué. Bah, j'ai fini donc la démo. C'est quoi? C'est... Du coup, je l'ai fait en one shot, une heure. 49... Je suis à 49 minutes... 50, voilà, pile. Je suis à 50 minutes de record. Donc, c'est quoi? Pour vous récompenser d'avoir joué à la version démo, vous avez gagné le code cadeau suivant.
Ok. Est-ce qu'il est commun à tout le monde ou pas? Ou c'est le même code ou chaque joueur a un code différent? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait une capture, je sais pas pourquoi. Votre... Quoi? Ce code cadeau dans la version complète du jeu pour obtenir des objets supplémentaires. C'est ce code à la messagerie. Un certain point. D'accord, ok. Non, je pense que c'est le même code pour tout le monde. Ils ont quand même pas généré 1 milliard de codes. Ah, et donc là, on a la... On a une petite bande-annonce de ce qui nous attend. Ah, oh, c'était trop bien. J'ai trop hâte d'y jouer. Donc ouais, 1 heure de démo à peu près. C'était quoi? Un monde? J'ai l'impression que ça se divise en 3 parties. Bon, là on a fait tout le truc de tuto, mais peut-être que 3 mondes, c'est environ 3 chapitres et après on a le boss. Là, il y a l'air d'avoir des univers incroyables, hein. Petite fête foraine. Un truc un peu plus désertique. Il y avait les tropiques aussi à un moment donné. Bon, ça c'est ce qu'on a fait, c'est le centre commercial oublié. Donc ça doit être le hub central. La pêche, ça c'est des mini-jeux, les gachapons. Et donc voilà, c'est ça que je disais dans le teaser, on voit Kirby être sur les étoiles et parcourir les mondes, donc je pense qu'il y aura pas mal de mondes différents. Ça je l'ai vu sur la chaîne de Nintendo France, on apprend... je crois qu'on acquérit des espèces de plans pour améliorer nos compétences, comme du craft en fait. Ah oui, et puis ça, forcément, c'est un boss. Lui aussi, on l'a vu dans... Ah oui, il y a vraiment des univers... Là, on avait l'impression d'être dans un peu un volcan, un truc de cirque. Là, ils sont en train de nous spammer tous les univers, en fait. Hein. Ah oui, puis il y avait de la neige. Exact. Oh, ça, à mon avis, ça sent la fin du jeu, ça. Oh, il est trop mignon. Excellent. Ça doit être le thème fête foraine. Et bah, c'est fini. Un village très aimé fait évoluer au pouvoir. Là. Retour au choix. Ça va nous remettre sur le... On peut refaire... Ah! On a augmenté nos pouvoirs, ok. Donc ouais, ça va être... Ça c'était ce que je pensais, c'est on va acquérir de nouveaux pouvoirs, il va falloir revenir dans les zones précédentes. Et je suis sûre que la tulipe qui me manquait, il faut un pouvoir spécial parce que je l'ai pas vu. Ah, on peut revoir les cinématiques, ok, informations, et retourner sur l'eShop. Et les codes cadeaux. Et ben on s'arrête ici, j'espère que ça vous a fait plaisir, c'était une grosse vidéo, mais je voulais vraiment la découvrir en live. Je suis trop hypée par le jeu, j'ai trop hâte d'être le 25 mars pour faire le jeu en entier. J'espère que ça vous a fait plaisir, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, salut!